Un moment qu'on appréhende tous, hein. c'est demain que la Banque du Canada va faire sa mise à jour du taux directeur. Jusqu'à tout récemment, on s'en inquiétait pas trop. On se disait bon, il était très peu probable qu'on augmente les taux d'intérêt. Mais les dernières données sur l'inflation au mois de septembre ont quand même ébranlé la confiance de plusieurs. Est-ce qu'on s'en fait pour rien, ou au contraire, est-ce que la Banque du Canada va encore serrer la vis Pour en discuter avec nous, Simon Brière, stratège de marché, c'est RJ O'Brien. Salut, Simon. Bonjour. Merci de, de prendre le temps ce soir pour nous éclairer un peu, de donner ton. Oui. Ton opinion ou tes lumières pour ce qu'on attend demain, selon toi, est-ce que la Banque du Canada va maintenir son taux direct? À mon avis, oui. À mon avis, on va rester à 5 Je pense qu'on a assez d'éléments qu'on peut observer pour essayer justement d'observer ce ralentissement économique qui nous permet de croire qu'on en a assez fait au niveau des politiques monétaires. En politique monétaire, je parle des taux d'intérêt. Mmh. Et je pense qu'il va y avoir une pause demain encore, et peut-être pour la prochaine réunion en décembre, mais demain, selon moi... Il ne devrait pas y avoir de hausse. Et s'il y en a une, un changement, ça serait une hausse, ouais. une petite, peut-être symbolique d'un quart de point. Ouais. Mais je mise vraiment sur un statu quo. Parce qu'on a vu, en hein, hausse ouais. en juin, hausse en juillet. Ensuite, septembre, il y a eu une pause. Mais on se rappelle, Simon, qu'on avait averti l'inflation mmh. qui n'était pas au point oui. où ce qu'on le souhaitait. Il y avait encore trop d'inflation, puis même, même aujourd'hui, ouais. il y en a encore trop. T'sais, on essaie d'avoir 2 d'inflation, puis on est plus aux alentours de 3, peut-être même 4 Donc, il en reste encore, on n'est pas sorti du bois, mais il y a certains éléments qui nous permettent de croire. Qu'on va y arriver. Et je ne pense pas que demain, d'augmenter le taux d'intérêt aurait un effet vraiment bénéfique à court terme. Ouais. Euh, ça prend du temps, hein, ces politiques monétaires là Et puis, si j'étais pour faire un exemple, moi, je me Oui. <laughs> la, la hausse des taux d'intérêt, c'est comme une sauce à spaghetti. Une sauce à spaghetti. Au début, ça va. Tu mets tes ingrédients. c'est caché, des oignons. D'ailleurs, c'est notre recette de famille. La recette de spag, de ma mère, c'est la meilleure. Au début, ça va. On en met, on y met les ingrédients. Donc, c'est le début. On on commence à augmenter les taux d'intérêt. Ensuite, on monte notre sauce. On met des carottes, de la sauce tomate, on y va. Ça, c'est un peu la continuation. Mais quand on arrive à la fin, là, les, les ingrédients sont ouais. réunis, on est beaucoup plus dans les assaisonnements, les petits ajustements ouais. à la fin. On est beaucoup plus là. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'ajouter des ingrédients, donc d'ajouter des hausses de taux d'intérêt, mais peut-être un petit ça. ajustement, salé poivrer et laisser. Jeter. Parce qu'il ne faut, faut, faut pas que ça colle au fond, par contre. Il ne faut pas que ça colle au fond, effectivement. C'est toujours un peu le risque. Donc, il ouais. faut avoir un feu relativement doux pendant ouais. une plus longue période. On parle de la durée des taux d'intérêt. Ils ne ouais. vont peut-être pas nécessairement baisser, mais vont rester relativement élevés pendant plus longtemps. Donc, c'est ça se pague. Je ne sais pas si ça marche, <laughs> oui, oui, mais on essaie d'imaginer ces politiques monétaires-là avec un autre angle. Belle, ima oui. belle image pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Tu faisais référence tantôt à l'annonce prévue pour décembre. Oui. Si on maintient le, le taux en ce moment là, mmh. et que les gens se mettent à dépenser en, vu, en vue des fêtes, oui. est-ce qu'on ne serait pas mieux de donner un signal tout de suite, justement, pour, mmh. pour empêcher ces dépenses-là? Ou... C'est un peu ce qu'ils nous disent. Autant la Réserve fédérale que, euh, que la Banque du Canada disent, ben selon les données qu'on a, selon l'évolution de l'économie, selon les statistiques qui continuent de rentrer, on se garde toujours le droit de réagir. Au besoin. Donc c'est pas une menace, mais c'est dire ben, si jamais l'inflation persiste, si jamais les consommations, l'économie ne ralentit pas aussi vite qu'on voudrait qu'elle ralentisse, ouais. ben nécessairement ça voudra dire que le, la cure, disons de chimio, de, de chimiothérapie ouais. là, pour combattre euh, euh, l'inflation, ouais. ne fonctionne pas assez. Donc peut-être qu'à ce moment-là il y en aurait d'autres, mais je trouve ça très normal et cohérent que les banques centrales nous disent ben, évidemment qu'on va agir en fonction de l'économie et de ce qu'on peut observer. Parce qu'on a vu certains signaux rouges là, dans oui. l'économie dernièrement, qu'on pense, entre autres, l'emploi, certains mmh. ralentissements, oui. baisse également de la vente au détail. Oui. Est-ce que ça, ça veut dire... Que ça fonctionne. Oui, justement. Donc, on, on cherche un peu des ralentissements. Donc, on, ça paraît bizarre, mais on ouais. cherche des mauvaises nouvelles. Donc, quand il y en a une mauvaise nouvelle, un peu comme un traitement de chimio, hein? On a le cancer, l'inflation, on fait le traitement de chimiothérapie, la hausse des taux d'intérêt, et l'effet secondaire on va perdre nos cheveux. Bon, dans ouais. mon cas c'est un cas, autre <laughs> choix, mais... <laughs> On va perdre nos cheveux donc, oui. c'est pas souhaitable, mais oui. c'est prévisible. Ça donc fait. on va rechercher ces éléments de l'économie où on peut être un peu moins d'emplois, peut-être un peu moins de croissance, oui. on peut être un petit peu perdre la vitesse dans certains secteurs, une perte des emplois d'ailleurs, tu on oui. a vu que ça commence là, ça reste encore relativement faible en oui. proportion, mais on a besoin d'aller chercher ces mauvaises nouvelles là qui vont être la confirmation que le traitement des politiques monétaires fonctionne. D'ailleurs, parlons du PIB du oui. Québec. Parce que depuis deux mois, le PIB qui est à 0 en termes d'évolution, on n'a pas vu ça depuis des années là, au Québec. Euh, oui, effectivement. Mais le, ça, le PIB, là, le produit intérieur but, là, notre croissance économique, oui. c'est normal, là aussi, c'est un élément observable du ralentissement. Disons qu'à l'heure actuelle, on doit composé avec non seulement la cause et la, la, la conséquence d'un peu de cette inflation-là. Donc, mm -hmm. dans le budget des familles, dans le budget des ménages, l'épicerie coûte plus cher, l'essence coûte plus cher, les vêtements coûtent plus cher, tout coûte plus cher, l'hypothèque va coûter beaucoup plus cher. Ouais. Donc, quand je regarde le, le budget familial, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on, on essaie. Coupe. Ben oui, exact. On coupe dans nos dépenses. Et toutes ces dépenses-là, ouais. c'est des, des, des dépenses qu'on qu avait prévues, peut-être. Je suis un entrepreneur. Là. Moi, je suis, par exemple, je vends des meubles. Oui. Ben là, euh, si j'avais pensé ou j'avais prévu vendre 1000 unités, puis les gens sont à la maison, on dit, ouais finalement, moi, bon, ben, bon. Bon, mon sofa. Mon encore bon. Mon je le changerai, mais c'est encore bon. Donc, je n'irai pas magasiner, je n'irai pas m'acheter ce nouvel élément-là. Donc, ouais. la croissance, il va y avoir moins justement, moins de croissance économique. Donc ça, c'est un élément observable dans ouais. l'économie. Donc on s'attend justement à ça. Demain, ouais. en vue de l'annonce ou avec l'annonce, est-ce qu'on s'attend à une réaction sur les marchés boursiers? Dépendamment de ce ouais. qui va être annoncé, oui. Donc si, si ça tombe qu'il n'y a pas de hausse de taux d'intérêt, les marchés financiers devraient rester somme toute Stable, parce que oui. c'est ce qui est prévu. S'il y a une hausse des taux d'intérêt demain, ça sera un peu une surprise. Et là, il va falloir recalibrer beaucoup d'éléments dans l'écosystème financier canadien. Parce qu'on va se le dire, si on regarde les marchés boursiers dans les derniers jours, c'est des montagnes russes. Là. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc, si demain, il y a une hausse des taux d'intérêt, ma réaction initiale, ça serait de voir les marchés boursiers canadiens baisser oui. et voir notre taux de change canadien avec le dollar américain peut-être s'apprécier un petit peu. Bon? Oui. ça? Évidemment, toute chose d'anglais par ailleurs. Demain, je planifie quand même avoir une pause ouais. dans les taux d'intérêt. J'ai hâte de voir le rapport sur la politique monétaire parce ouais. qu'en septembre c'était juste le nouveau. Euh, le de nouveau voir, le dé... de... voir le détail, voir le détail, voir c'est quoi les perspectives, voir les c'est quoi les projections, qu'est-ce qu'ils pensent derrière les politiques monétaires. On va aller fouiller un petit peu dans, les, dans le rapport sur la politique demain. Ouais. Et ça, j'ai quand même assez hâte de le lire. Bon. Voilà. On va suivre le tout avec attention. Simon, on aura la chance, évidemment, d'en reparler. Simon Brière, merci beaucoup. Ça fait plaisir.